Entretien libre, un podcast présenté par la Maison des Géraniums. Épisode 7, Philippe Falardeau. Pour ceux qui, quand le monde me demande, ça te prend combien de temps à écrire? Ça me prend beaucoup de temps, mais l'acte de m'asseoir et de taper, ça représente 20 % d'un scénario. Quand je m'assois et je commence à l'écrire, il y a 80 % qui est déjà écrit. Fait que si j'ai une idée de film, là, avant qu'il m'assoie puis je l'écrive, il peut se passer 18 mois, 2 ans. Ouais. Avant que ça se... Ah oui. Avant de pouvoir être prêt à m'asseoir puis écrire, parce que je vais pas me soumettre à une page blanche. Là. Ça, non. La vie est déjà assez difficile. Là. Je vais pas commencer à regarder une page blanche longtemps. Puis c'est ce que je suggère souvent aux jeunes scénaristes, c'est de dire, à moins que vous soyez un prodige, votre première version... elle sera pas bonne. Ça veut pas dire que le film sera pas bon, ça veut pas dire que l'idée est pas bonne, ça veut pas dire qu'il y a pas des bonnes scènes, des bons dialogues, mais ça sera... vous pouvez pas tourner ça. C'est à peu près impossible. Par contre, allez jusqu'au bout de votre première version, commencez pas à vous relire chaque matin, parce que là, vous allez être pogné dans une loop sur la scène 21 qui est pas parfaite, Ça, ça sert à rien. Donc, allez au bout de la patente, relisez pas. Et là, vous vous relisez, puis là, vous dites, OK, j'ai un début, j'ai un milieu, j'ai une fin, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu peux travailler dessus. Mais c'est quoi ton rapport, toi, par rapport à quand tu grandissais, enfant, à la musique? C'était mon échappatoire, je pense. Je pense que, tu sais, j'étais quelqu'un qui s'ennuyait facilement. Puis, je sais, peut-être par active, je sais pas. Mais j'allais dehors, genre, tu sais, on habitait proche d'un petit bois, puis j'allais chanter dehors. Puis, après ça, c'est devenu une activité que je faisais avec des amis. T'allais chanter tout seul? Oui. OK. J'étais un petit peu. Puis, tu chantais des tunes. Que tu composais toi ou que des dunes? Que... Les deux. C'est weird parce que jamais j'avais vu ça comme la composition, mais quand j'étais jeune, j'inventais des tunes. Puis pendant super longtemps même, genre, j'ai encore des moments où je me dis... Non, c'est pas vrai. Non, peut-être pas là mais là, peut-être 5 ans, j'ai encore des moments où je me disais « Ah, je suis pas vraiment une compositrice, tu sais. » C'est vraiment weird. Ça, je comprends ça. Tout, genre, tu sais, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, mais... Quand j'étais jeune, c'est ça, je faisais juste inventer des mélodies constamment, puis j'entendais le drum dans ma tête, puis j'entendais la bass, puis je, tu sais, puis... Est-ce que tu t'enregistrais des fois, tu sais, les vieux tapes 4 pistes? Ah, j'aurais dû, non. Mes parents, ils ont une ferme, mais avant, c'était une ferme laitière, biologique, puis... fait que là, j'allais comme travailler, tu sais, puis là, tout l'été, puis là, je chantais avec les vaches, puis là, ah oui, ben oui, c'est cool! Fait que c'était comme, ouais, c'était comme ma façon de passer à travers le travail, genre. Puis ouais, je m'imaginais, là, tu sais, c'était clair, j'étais comme sur un stage, puis là, je sais pas, j'avais un besoin, ça remplissait mon besoin de... Tu sais, je rêvais à cette affaire-là, là, je sais pas, ça m'occupait. Au sens propre et figuré, c'est-à-dire, tu rêvais à éveiller, mais tu t'en rêvais-tu aussi la nuit? La nuit? Ben, je sais pas. Parce que je demande ça, parce que moi, c'est le seul moment où je peut-être qu'il y avait un indice dans mes rêves que je deviendrais réalisateur, parce que j'avais des rêves, des fois, qui se finissaient avec des... Juste avant de me réveiller, il y avait un générique de fin qui... Non! Mettons que dans mon rêve, j'étais dans une campagne, et là, il y avait un générique qui passait, puis quand c'était terminé, je me réveillais. Je mettais des génériques à la fin de mes rêves. Ah, oh, j'adore! Oh my God! J'adore!